Moi, je pense que dans la continuité, ce que Jean-Émile a dit, il serait bon peut-être qu'à partir de ces doctorials-là, qu'on puisse voir le format, pour formaliser un peu ces doctorials à l'échelle de ces trois pays. Et l'objectif global de l'appui institutionnel à l'UAM, c'est d'améliorer la performance de l'université dans ses trois missions fondamentales, qui sont l'enseignement, la recherche et le service à la société. Il devrait théoriquement rester pour 2020 129 461 046 €. Aujourd'hui, nous avons, grâce à l'appui ARES, une visibilité très claire et une efficacité au niveau de la scolarité. Tous les étudiants inscrits sont clairement identifiés et donc c'est la scolarité qui gère le fonctionnement des inscriptions et des différentes évaluations. C'est un acquis incontestable. Nous avons aussi, grâce à cet appui, pu équiper les laboratoires des travaux pratiques. Quand on dit que c'est un résultat majeur, c'est parce qu'on sait ce qui s'est passé avant. Nous étions arrivés à un niveau de vétusté très avancé des équipements de nos laboratoires et cet appui est venu renouveler le parc d'équipements qui permettait de faire les travaux pratiques. Et donc, ça a amélioré la qualité et la performance dans les résultats des travaux pratiques du premier cycle. Le troisième, c'est au niveau des bibliothèques. Toutes les bibliothèques sont mises en réseau, et toutes les bibliothèques sont équipées. Les responsables de ces bibliothèques ont reçu des formations en Belgique et au Niger. Et nous sommes très contents d'apprendre que, à partir de cet appui à l'Université de Moumouni, même les 7 autres universités de l'intérieur ont pu entrer en réseau pour pouvoir échanger entre elles. Le quatrième point sur lequel je dois insister, c'est au niveau des écoles doctorales qui se sont matérialisées grâce à cet appui. Elles sont visibles maintenant, elles sont organisées, elles fonctionnent bien. Et autour de ces écoles doctorales, les doctorants ont été appuyés. Et ce qui est connu à l'Université Abdou Moumouni, c'est cette organisation annuelle des doctorales qui permet un brassage entre les étudiants bénéficiaires des bourses qui peuvent aller en Belgique, qui ne sont pas les plus nombreux, et les étudiants nombreux restés au Niger qui sont plus nombreux et qui bénéficient par ce canal de cet appui. C'est un partenariat responsable qui a ses caractéristiques, son approche qui est quand même très intéressante. On a une équipe nord et une équipe sud. Les deux équipes sont très responsables et interagissent avec beaucoup d'efficacité. Je pense que c'est une approche qui responsabilise davantage les acteurs sud et tous ceux qui sont bénéficiaires également prennent conscience de façon plus directe des enjeux et se mettent au travail.